Salut, amis moi. C'est rubrique Parola qui publie sous page YouTube Ma Bible, mon trésor qui rentre la caille. Principal objectif rubrique ça, c'est pour capable motiver ou pour chercher gagner bon gens connaissance qui basé sur la parole de Dieu pour capable vivre pi bien. Jodia dans numéro 887, n'a rappelé tout bon vrai. Bon Dieu créateur voulait que ou rete yon champion. Et c'est peut-être ça, li investi dans la vie ou le potentiel approprié et aussi tout un ensemble de ressources matérielles, immatérielles et humaines. Kon ya zanmi mwen, c'est ou même qui pou gérer victoire. Coupe champion getan nan men ou, c'est ou même qui pou pran soin li. Et rapidement, yon nan premier ressource que le Seigneur mette à votre disposition, c'est la grâce, sa grâce. C'est cette potentialité surnaturelle que théologien aurait le secours gratuit de Dieu, la faveur de Dieu. Le concept grâce décrit la réalité de quelqu'un qui est très fort et qui vient au secours de celui qui est très faible. Ça veut dire bon Dieu fort grâce pour capable répondre favorablement à son appel. L'appel de jouir sa victoire. L'appel d'être pour le Seigneur un champion. Dans un deuxième temps, ça t'a voulu 10 ans moins, victoire que vous gagnez sur Satan, le monde et aussi la chair, c'est un cadeau de Dieu. Ou pas du tout mérité ça. C'est le rayonnement et la manifestation de la grâce de Dieu en votre faveur. Et jodi, tout ça nous y est et tout ça n'a joui dans l'évangile là, ce n'est qu'une question de grâce. Oh, quel grain de grâce, grâce sur grâce. Nous remercier infiniment le Seigneur parce que il fait nous grâce pour nous capable kembe le standard de la victoire. Deuxième ressource que Seigneur a mette à notre disposition pour nous capable toujours être un champion, c'est le sang de Jésus. Et la parole de Dieu précisait pour nous-mêmes, le sang de Christ est un sang précieux. Le sang qui nous donne la victoire. Le sang qui témoigne la puissance de Dieu dans notre vie et dans le camp de l'adversaire. Ce sang qui nous sauve et ce sang qui a fait de nous des plus que vainqueurs. Grâce au sang de Jésus versé à la croix pour le pardon de nos péchés, nous c'est champions. N'a rappelons que le sang de Jésus, c'est une âme spirituelle très puissante et dans le combat spirituel, ou besoin d'utiliser-lui pour capable toujours être un champion pour le Seigneur. Et nous déclarer dans le moment ça, quelle que soit la bataille qu'on trouve là, que le sang de Jésus vous protège. Que le sang de Jésus vous rend plus que vainqueur. Yon troisième ressource que Seigneur a disposé pour nous-mêmes, pour nous capable toujours être la tête et non la queue, c'est la croix de Jésus. Nous tous connaissons déjà que la croix dans le christianisme est le symbole du salut. La croix de Jésus, c'est le lieu de notre réconciliation avec Dieu. C'est également le lieu du triomphe de notre divin sauveur. Le Christ a triomphé à la croix sur nos ennemis pour nous assurer la victoire éternelle. La croix de Jésus symbolisait également nous pas gagner malédiction sous dos nous encore. Qu'on y a, nous ces champions. Encore une autre ressource que Seigneur a mettée à notre disposition dans le combat de la vie pour nous capables toujours qu'imbiber standard victoire là, c'est la résurrection de Jésus. Le Seigneur est ressuscité. Il a triomphé de la mort. Et c'est ce qui garantit également notre victoire sur la mort. La résurrection de Jésus a scellé une fois pour toutes la victoire de la vie sur la mort. Nous sommes champions parce que Seigneur nous a ressuscité. Il est vivant et c'est ça qui nous a témoigné aujourd'hui. D'où également notre témoignage
est une ressource pour nous rester dans la position de champion que nous y a. Et ami moi, n'a invité pour témoigner également par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, par la croix de Jésus, par la résurrection de Jésus, où c'est un champion. Amen. Gloire à Dieu. À la prochaine.